Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque auxiliaire de Bordeaux, Père Justin Simban, curé de Cadillac-Targon, Frère Aurélien Marie et Frère Robert, prêtres du monastère du Broussail, représentant le Père Moïse, prieur du Broussail, le Père Patrice Batandou, je ne sais pas s'il est arrivé, qui devait être présent, un ami du Père Justin. Monsieur le Président de la Communauté des communes du Créonnais, Alain Zabulon, chers collègues élus, Vinavèze Vinavé, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, je vous remercie d'être présent à cette inauguration pour la réouverture de l'église Saint-Martin, dont les travaux de rénovation du chœur et de la sacristie ont débuté l'été dernier. Merci et félicitations à tous les corps de métier qui sont intervenus sur ce chantier. Christophe et Nathalie pour le gros œuvre, la maçonnerie, dont vous voyez le fabuleux résultat devant vous et dans la sacristie. L'entreprise de carrelage familiale Alexis Février pour le sol de la sacristie et une intervention sur des carreaux à l'église. L'entreprise de nettoyage ABC propre, qui est représentée par Mme Bac, je ne sais pas s'ils sont là, s'il est arrivé, dont les agents ont effectué le nettoyage de l'église et de la sacristie dans les moindres détails. Je me rappelle que pour le lustre, c'était plein de poussière. Enfin, il y avait de la poussière partout, et là, ça a été nettoyé au pinceau et à la brosse à dents. Pour rien abîmer, là, franchement, chapeau. Le plaquiste Guillaume Claverie, qui a refait complètement le plafond de la sacristie. Et enfin, Stéphane Bonnet, qui, hormis les travaux de peinture classique, tout de même en altitude comme le maçon, a réalisé un travail minutieux sur les grilles des différents hôtels et des fonds baptismaux, sur les couleurs de la façade de l'hôtel en reprenant quelques sculptures abîmées, sur la réfection du tabernacle, de l'écusson au-dessus de la porte d'entrée et la remise en neuf des portes. Des photos sont exposées sur le présentoir à votre gauche, que vous pourrez voir à l'issue de la cérémonie. Alors, le budget total de cette opération se chiffre à 42 695 euros hors taxes, précisément. Je vous fais part des centimes. Nous avons obtenu une subvention de l'État au titre de la DETR, c'est-à-dire dotation d'équipement des territoires ruraux, pour un montant de 12 748. Le reste à charge en autofinancement. J'en profite, puisque je suis sur ce sujet, pour excuser le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, qui n'a pu être là aujourd'hui à cette inauguration. En plus des artisans nommés, j'associe l'électricien Jérôme Milon, qui a contrôlé tout le système électrique de l'église, et les charpentiers Francis Bergès et Christophe Capelazzo pour le remaniage et le nettoyage de la toiture. Remerciements également aux personnes qui ont participé à la préparation de cet événement. La famille Comet, Maïté et Jean-Marie, la famille Bonnet, Denise et Michel, Francette Brassé, Annette Faugère et les employés communaux. Un mot de sympathie à Marie-Claire à la place qui interviendra au cours de la cérémonie religieuse. Remerciements à la chorale de la paroisse de Cadillac, dirigée par Fabienne Galineau. Merci également à la présence de Daniel Fontiche et son guitariste qui vont intervenir lors de la cérémonie. Merci également à Roland Alibert et son équipe qui vont filmer le déroulement de la cérémonie. Grand merci au Père Justin Gaston, et Gaston Barada pour leur conseil sur l'organisation. Et toute notre gratitude à vous, Monseigneur, à nous honorant de votre venue dans notre petite église. Je terminerai mon propos en vous conviant au verre de l'amitié offert par la municipalité à l'issue de la cérémonie dans les barlombes qui sont sur le terrain en dessous. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à Alain Zabulon, le président de la communauté de communes, et ensuite c'est Francette Brassé qui viendra vous faire l'historique de l'église. Merci. À toi, Alain. Monsieur le maire, cher Jean-Marc, Monseigneur, Monsieur l'abbé, un grand moment qui nous rassemble ce matin. À travers cette inauguration, j'y vois pour ma part deux symboles. Je ne vais pas être plus long que cela. Le premier, c'est la volonté de nos communes de préserver leur patrimoine. Parce que notre patrimoine, c'est notre histoire. Il nous rappelle d'où nous venons et on ne peut pas regarder vers l'avenir. Apparemment, je me suis trompé de micro, mais je ne vais pas recommencer depuis le début. On ne regarde pas bien vers l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. Et à travers cette volonté qui a été la tienne, cher Jean-Marc, d'assurer la rénovation particulièrement réussie de cet édifice, bien, tu nous rappelles ce lien avec notre histoire et cette nécessité qui est la nôtre de préserver notre patrimoine parce qu'il est en lien avec notre histoire.
Et je voudrais donc féliciter tous ceux qui ont participé à cette action de rénovation qui est absolument superbe et qui va ainsi donner à cette église une nouvelle dimension et une nouvelle vie. Et puis à travers cet événement, j'y vois un deuxième symbole, peut-être de portée plus philosophique ou plus politique. C'est par les temps troublés que nous connaissons. Ne pas oublier qu'un de nos acquis les plus précieux, c'est la laïcité. La laïcité qui n'est pas l'hostilité vis-à-vis des religions, bien au contraire. C'est la volonté d'organiser une relation apaisée et pacifique avec l'ensemble des cultes. Et je crois que ce bien, il est particulièrement important de le rappeler dans le contexte troublé que nous connaissons. Et je suis heureux pour ma part d'être avec vous ce matin pour participer à cet événement. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous et vous dire que notre communauté de communes, qui est composée de 15 communes, un peu plus de 18 000 habitants, j'ai pour habitude de dire, et mes collègues élus m'entendent souvent utiliser cette expression, dans communauté de communes, il y a communauté. Et la communauté de communes, c'est une communauté humaine, faite d'élus au service du bien public, dont l'objectif est de vous servir et d'apporter à la population de nos communes des services de proximité en matière d'enfance, de petite enfance, de développement économique et également de préservation de ce patrimoine qui nous est si précieux. Encore merci, cher Jean-Marc, merci aux représentants du culte ce matin, Monseigneur, Monsieur l'Abbé, de nous avoir permis de nous rassembler autour de cet événement qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de la commune et surtout l'histoire de ce très bel édifice. Merci à tous. Jusqu'à la Révolution, la paroisse Saint-Martin dépendait de la puissante seigneurie de Rion. Et par la charte de 1283, elle était aussi liée à l'abbaye de la Sauve-Majeure. C'est sous la Révolution, en 1793, que la paroisse forme la commune de Villenave-de-Rion. À la même époque, la paroisse Saint-Seurin devient la commune de Rion. Le nom Villenave-de-Rion évoque d'ailleurs l'ancienne dépendance du territoire au seigneur de Rion. Il signifie « ville neuve de Rion », « villa nava de Rion » en gascon. Pendant la Révolution, l'église est en grande partie détruite. Dans la seconde moitié du XIXe, elle est fortement rénovée avec de gros travaux sur la nef et les bas-côtés qui sont couverts d'une fausse voûte et embellis de magnifiques vitraux du maître verrier Jules-Pierre Mauméjean. Le vitrail de l'ange, peu visible puisqu'il est dans le clocher, est pourtant le plus grand et le plus beau. Et nous avons aussi une flèche est ajoutée alors sur le clocher porche, avec la cloche en bronze du fondeur Élie d'Air. C'est le même fondeur que la cloche de Cardan. Cette rénovation s'inscrit dans la vaste campagne de restauration des édifices religieux en Gironde à l'initiative du cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, de 1837 à 1882, dans le but de reconquérir les fidèles, avec notamment la construction de nombreux clochers pointés vers le ciel, le plus haut possible pour être plus près du ciel et ainsi plus près de Dieu lui-même. Ce qui fit dire à Léo Drouin les fantaisies du cardinal Donnet ont fait plus de mal aux églises girondines que la guerre de Cent Ans, les guerres de religion et la Révolution réunies. Léo Drouin, par ses dessins, a laissé un témoignage essentiel sur le patrimoine girondin, en particulier sur les églises. Mais aucun dessin de celle de Villenave, aucun dessin de celle de La Roque, deux églises oubliées. Pourquoi ? Au XXe siècle, la mairie entreprend de gros travaux avec la restauration du clocher en 1992.
un échafaudage de 22-23 mètres est monté. La croix est redorée, le paratonnerre remis à neuf et le pignon de pierre nettoyé. Des tonnes de pierres ont été changées. Un peu plus tard, en 1995-96, d'autres travaux, toujours entrepris bien sûr par la mairie, concernent la peinture du chœur, la réfection et la peinture du plafond et les deux autels latéraux. Enfin, comme Monsieur le maire vous en a parlé, de septembre 2023 à avril 2024, la mairie entreprend des travaux, bien sûr, pour la réfection complète de la sacristie, ici, et du chœur, des travaux de maçonnerie et de peinture. Je voulais vous parler aussi de quelques événements marquants qui ont marqué notre Église. La tradition orale affirme que lors des persécutions exercées contre les protestants par les dragons, peu avant la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, un des cavaliers, tué accidentellement par une chute de cheval, fut enterré sous la chaire de l'église, moyennant 5 sols. La chaire était exactement à cet emplacement. On voit encore le socle en pierre qui la soutenait. Un autre événement, en 1864, la famille Dutille fait la donation d'un terrain en faveur de la commune pour construire un nouveau presbytère. En échange de la célébration chaque année et à perpétuité de 2 messes. La fabrique, c'est-à-dire le conseil chargé de la gestion matérielle de la paroisse au XIXe siècle, ajoute une 3e messe pour tous les donateurs. C'est donc une copie de cet acte qui est toujours affichée dans l'église, là, tout près de la caméra sur le pilier. En 1914, l'archevêque de Bordeaux vient pour célébrer la confirmation. On dit qu'il aurait dormi au château Lezongar. Et puis nous arrivons au XXe siècle. La paroisse a été marquée par l'abbé Adrien Bernard, originaire du Médoc, qui arrive à Villeneuve en 1903. En 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, la mairie lui demande alors de payer 2 ans d'arriéré de loyer. Il était curé, bien sûr, mais il était aussi guérisseur par l'imposition des mains. Sa renommée en tant que guérisseur dépasse largement la commune, le canton et même le département. On venait de Bordeaux, de Marmande pour se faire soigner et parfois même en taxi. En 1957, c'est l'heure de la retraite pour l'abbé Bernard et un nouveau curé arrive, l'abbé Ligier, qui va habiter au presbytère de Capian. Les 3 communes sont regroupées, Villeneuve, Capian et Cardan, pour le catéchisme, les communions, les kermesses. L'abbé Bernard, lui, reste toujours au presbytère de Villeneuve où il continue à être sollicité comme guérisseur. Il meurt en 1963, 60 ans après son arrivée dans la commune. Il est enterré à Saint-Estèphe, dans le Médoc, auprès des siens. Un autre fait marquant aussi, c'est que dans les années 30, la comtesse des Almeida Correa, d'origine sud-américaine, et propriétaire avec son mari du château Fauché, offre à l'église la statue de Sainte Thérèse. Vous la voyez là. Elle est toujours là sur son piédestal de rose. À cette occasion, une belle cérémonie a lieu dans l'église, richement décorée, comme aujourd'hui, et provisoirement dédiée à Sainte Thérèse. Le tirage d'une série de cartes postales en témoigne. La tombe de la famille du comte des Almeida Correa se trouve au cimetière de Villeneuve et ce sont eux qui ont donné son blason au château Fauché. Et puis vraiment tout récemment, en 2015, lors de la première édition de la fête de la musique à Villeneuve, l'église a accueilli un concert de la chorale Arcor et enfin en 2019, le tournage du court-métrage L'Enterrement, réalisé par l'association Beaux-Arts,
qui nous filme aujourd'hui. Bon, vous retrouvez tout cela dans le petit feuillet posé sur les bancs. Et vous avez aussi un panneau avec des photos, comme Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, avec des photos de travaux. Je vous remercie de votre attention. Alors, Monseigneur et les prêtres, accompagnés des enfants de chœur, vont se préparer pour commencer la célébration. Voilà, nous allons nous rendre à la porte d'entrée et de la porte, la chorale va commencer le chant. Frères et sœurs très chers, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette Église nouvelle. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs de cette Église. Au début de cette célébration, prenons conscience que rassemblés dans l'unité par la foi et la charité, c'est nous qui formons l'Église vivante, établie dans le monde, comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Tu les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience, et tu les ramènes constamment vers le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créé, quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette Église, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions les temples de son Esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront en cette Église célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel, par le Christ notre Seigneur. Alléluia, alléluia,
Alléluia. 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 Père des miséricordes, sois présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il a fait sa demeure. Amen. Et ensemble, nous proclamons la gloire de Dieu. De Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent le contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentive à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le prix qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Amen. Salut, que Dieu nous donne.
lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs de la loi, il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il guérissait, il grandissait en sagesse, en taille et en âge devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour la bénédiction des travaux effectués dans cette église, nous venons d'entendre le récit de Jésus retrouvé au temple et la belle prière de Salomon lors de la dédicace du premier temple, celui qui avait été détruit par Nabuchodonosor, puis reconstruit ensuite après l'exil à Babylone, cette prière dite 1000 ans plus tôt. Et d'une certaine manière, nous aussi, le Seigneur nous pose ce matin la même question qu'à Marie et Joseph. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ?
Et peut-être que la demande de Salomon est celle qui habite notre cœur, spécialement quand nous entrons dans une église. « Seigneur, sois attentif à ma prière et à ma supplication. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. Écoute la prière que je ferai en ce lieu. Toi, écoute et pardonne. » Et ces deux paroles à 1000 ans de distance, non seulement peuvent éclairer notre célébration de ce matin, mais aussi rejoignent d'une certaine façon le cœur de la foi chrétienne. Finalement, qu'est-ce que les hommes attendent de Dieu? Sur qui comptent-ils pour assurer leur avenir? À qui font-ils confiance pour les conduire vers le vrai bonheur? Pour la foi chrétienne, Dieu lui-même est devenu homme pour assurer ce salut. C'est lui qui prend en main l'avenir de l'humanité. C'est lui notre espérance. C'est lui la pierre angulaire dont parle saint Paul dans la deuxième lecture. Alors en ce jour, la question nous est posée. Nous, chrétiens du 21e siècle, réunis pour la fin des travaux de cette Église, vivons-nous dans cette certitude que le Christ est le défenseur et le sauveur de l'humanité? Et cette question résonne actuellement d'une manière particulière alors que notre monde est confronté à de graves crises de toutes sortes, et en particulier avec la multiplication des conflits et des violences. Croyons-nous que la venue de Dieu dans notre humanité, sa mort et sa résurrection que nous venons de fêter à Pâques, croyons-nous que tout cela peut exercer une quelconque influence sur l'état de notre monde? Si nous pensons que non, cela voudrait dire qu'être chrétien, ce serait quelque chose à côté de l'existence ordinaire et qui ne changerait pas grand-chose à notre manière de vivre. Mais alors, cela signifierait aussi que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui nous arrive. Comment pourrait-il alors être le Dieu d'amour auquel nous croyons, un Dieu qui nous aime au point qu'il s'est fait homme comme nous et qu'il a donné sa vie pour nous? Et à quoi cela servirait-il? Le chrétien, au contraire, croit que ce n'est pas par ses propres forces que nous allons construire l'avenir de notre monde, mais d'abord avec et par le Seigneur, comme nous le rappelle la prière de Salomon. Notre société ne cesse de nous faire croire que le bonheur se trouve dans la satisfaction de nos désirs immédiats. Elle ne cesse de fonctionner que dans des rapports de pouvoir et de possession, et même de domination. Mais vous et moi, qu'attendons-nous de Jésus de Nazareth? Frères et sœurs ici réunis, qu'avez-vous à lui demander pour la conduite de votre existence, pour votre bonheur, pour l'espérance de notre monde? Heureux sommes-nous si nous croyons. Heureux sommes-nous si nous avons cette confiance dans le Christ, cette certitude qu'il est le sauveur du monde. Heureux sommes-nous si nous avons compris qu'il veut nous ramener vers son Père, qu'il veut nous faire partager ses intimités qu'il a avec lui, comme il le montre à Marie et Joseph. Et cette intimité, elle se réalise spécialement quand nous nous réunissons pour prier ensemble. Jésus, et c'est sa promesse, est alors présent d'une façon particulière et prie avec nous son Père. Et c'est vrai tout particulièrement pour la célébration de la messe du dimanche. Nous savons bien que la foi ne peut pas être une affaire strictement personnelle et individuelle. La foi authentique perdure seulement si elle est nourrie constamment, semaine après semaine, par une communauté visible qui célèbre la présence du ressuscité. Et c'est pour cela que nos pères dans la foi ont construit tellement d'églises dans notre pays. On ne rencontre pas le Christ seulement individuellement, mais d'abord en communauté, en Église.
Tout cela, frères et sœurs, peut prendre un sens particulier aujourd'hui où nous bénissons à nouveau cette Église après les travaux qui ont été réalisés. Car cela peut nous interroger. Pourquoi tenons-nous tellement à la présence d'une Église dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages? Monsieur le Président, vous parliez de notre passé, qui ne peut que nous ouvrir sur notre avenir. Mais pourquoi? Pourquoi, indépendamment de l'obligation faite par la loi française, équipes municipales et habitants ont-ils cette volonté de sauvegarder cet édifice à travers les siècles? Et ce, quelle que soit la foi des uns et des autres. Eh bien, sans doute parce qu'en général, c'est le bâtiment le plus ancien de la commune, et qu'en tant que tel, il est témoin du passé. Il nous enracine dans notre histoire locale. Tellement de choses se sont passées pour la vie d'une commune, tellement de choses se sont passées au cours des siècles dans l'Église. Sans doute aussi parce que nous sommes dépositaires de cet héritage, et donc responsables à notre tour de le transmettre. Mais plus profondément, je crois que l'être humain qui est fait pour Dieu a besoin de retrouver régulièrement le Christ. Et l'Église bâtiment nous le rappelle constamment. Il y a là une part de mystère qui est d'ailleurs ressentie par tous. Combien de personnes entrent dans une Église, pas seulement pour la visiter, pas seulement pour y trouver simplement le témoignage du passé, mais simplement pour y trouver un moment de paix et de recueillement. Comment se fait-il que beaucoup ressentent, par-delà leur foi personnelle, cette ambiance spéciale qu'il y a dans une Église? Aussi humble soit-elle. Sans doute cela vient-il de cette présence du Christ qui rejoint son peuple quand il se réunit pour prier. Et la beauté de nos églises n'est là que pour rappeler la beauté de celui qu'on y célèbre et la grandeur de ce qu'il nous promet. Ce n'est pas qu'une œuvre artistique, c'est une question de foi. Et si nos églises devenaient simplement des musées ou des étapes touristiques, je pense que plus personne n'y ressentirait quelque chose de profond, à part peut-être, une admiration pour l'art qui y est présent, mais qui dépendrait alors de la culture de chacun. Une église, quand elle est vraiment habitée par la prière d'une communauté chrétienne, élève l'âme vers Dieu, et pas seulement celle de ceux qui croient spécifiquement au Christ. Elle nous rappelle de ne pas oublier le Seigneur et de rester attaché à lui. Elle nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de consommation et de matérialisme, mais qu'il est plus grand que cela et qu'il a besoin aussi de nourrir la part spirituelle qui est en lui. Elle nous rappelle que sa dignité d'homme vient aussi de cela. Tout cela, de façon mystérieuse, contribue au bien commun d'une ville ou d'un village. C'est vrai sur le plan de l'histoire, mais pour nous, chrétiens, c'est vrai aussi et d'abord sur le plan du bien de l'homme. Vous le voyez, mesdames et messieurs les élus, en permettant la restauration de cette église, et nous savons les efforts considérables qui ont été consentis pour cet édifice maintenant, mais au cours des siècles, cela nous a été rappelé tout à l'heure, eh bien, vous avez œuvré pour le bien commun de votre commune de façon plus profonde qu'on pourrait le croire au premier abord. Et c'est un beau signe d'attachement, et cela est bon, puisque toute équipe d'élus a normalement comme objectif le bien commun de ses administrés. Et pardonnez-moi une toute petite parenthèse. Vous avez été élus pour le bien commun, pas pour l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, par définition, est intéressé. Le bien commun est gratuit et il est plus grand que nos intérêts particuliers. Alors, mesdames et messieurs les élus, soyez profondément remerciés pour votre travail, ainsi que tous les habitants de votre commune.
C'est pour cela que les chrétiens, dans une commune, ont une grave responsabilité, celle de faire vivre leur Église, pour que tous en reçoivent quelque chose, même s'ils ne partagent pas notre foi. La meilleure façon que nous avons de remercier celles et ceux qui ont permis la restauration de cette Église, c'est de venir y prier et de la rendre accueillante. Car à quoi servirait-il de restaurer nos églises si ce n'était pas pour les ouvrir et pour venir y prier? Et puis rendre grâce pour la réouverture de cette église, c'est aussi entendre la mission que le Seigneur confie à ses disciples, d'aller au-devant des hommes et des femmes de notre monde pour leur partager ce qu'ils ont reçu. C'est accepter d'être en ce temps les témoins du Christ aux habitants de cette partie du diocèse. Si votre lieu de prière, votre église est bien aménagé, c'est pour venir vous y ressourcer et recevoir force et courage pour annoncer explicitement le Christ à ceux qui vous entourent. Cette église est le signe visible de l'existence de votre communauté. C'est déjà beaucoup et il faut nous réjouir que cela soit possible. Ce n'est pas vrai partout dans le monde. Mais son existence vous interroge aussi sur la manière dont votre communauté et vous personnellement, cette communauté qui se réunit dans cette église, la manière dont elle annonce aussi le Christ à ceux qui n'y viennent pas. Frères et sœurs, cette mission est la mission de tout baptisé, comme nous l'a rappelé notre synode diocésain de 2018, et tout le travail de restructuration de nos paroisses, lancé déjà depuis plusieurs mois. Nous avons annoncé à ceux qui nous entourent les raisons de vivre, d'espérer et de croire, qui viennent du Christ, pour que leur existence ait un sens et qu'ils y découvrent un Dieu qui les aime et les appelle. C'est en percevant que nous sommes des hommes et des femmes dont la vie est transformée par l'amour du Christ et la foi en lui, qu'ils croiront en sa miséricorde. C'est en voyant nous aimer vraiment les uns les autres, par-delà nos différences, en nous voyant nous pardonner mutuellement, donner de notre temps et de notre disponibilité pour aider les autres, que ceux qui nous regardent vont pouvoir comprendre que les commandements de Dieu sont mis en pratique dans ce monde. Et peut-être qu'alors, en nous voyant, ils pourront voir le Christ, croire en lui, le suivre et par lui reconnaître le Père. Alors, la beauté de votre Église sera le signe de la beauté de votre vie et de votre foi. Elle sera le signe de la beauté de l'amour de Dieu. Amen. Que l'Église ait le courage, malgré les épreuves et les contrariétés, de continuer à propager la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Pour que les responsables à tout niveau et en toutes circonstances, et le souci de protéger la dignité des plus fragiles et se mettent au service du bien commun et de la protection de notre patrimoine. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, qu'ils gardent l'espérance et trouvent le réconfort et la bonne santé. Prions le Seigneur. Amour, Seigneur, donne-nous
pour notre communauté paroissiale et en particulier pour les responsables municipaux et la communauté de Villenave-de-Rions. Que nous soyons guidés par l'Esprit-Saint pour porter les fruits de l'amour et de l'accueil. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction de l'autel. Veuillez vous lever et nous ferons la quête après. Frères et sœurs bien-aimés, notre communauté s'est rassemblée dans la joie pour rendre grâce pour cet autel qui a déjà été consacré. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église y disposera et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix. Toi qui n'as cœur paternel, rassemble ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, cet autel qui a été préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Le pain de qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. Qu'il soit la fontaine où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fait qu'en s'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint et que nous offrions sur l'autel de notre cœur à la louange de ta gloire le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Ces mystères, le salut éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, Père très saint, toujours et en tout lieu. Tu as fait de l'univers le temple de ta gloire pour que ton nom soit partout magnifié. Mais tu ne refuses pas que des lieux te soient consacrés pour la célébration de tes mystères. C'est pourquoi, Dieu de majesté, cette église, cette maison de prière t'a été dédiée dans la joie. Elle est une figure du temple véritable, une image anticipée de la Jérusalem céleste. Car le temple saint que tu as bâti, en qui habite la plénitude de la divinité, c'est le corps de ton Fils, né de la Vierge Marie. Et la cité sainte que tu as édifiée, c'est l'Église, qui a pour fondation les apôtres, et pour pierre angulaire, le Christ Jésus lui-même. Mais tu ne cesses de construire cette église avec des pierres choisies, vivifiées par l'Esprit, assemblées par la charité. En elle, tu seras tout en tous pour les siècles sans fin, et la lumière du Christ resplendira éternellement. C'est par lui, Seigneur, qu'avec les anges et tous les saints, nous te rendons grâce, et nous proclamons dans l'allégresse. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Paul et son auxiliaire Jean-Marie, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute favorablement les prières de ta famille qui te consacre cette Église. Que celle-ci soit pour elle la demeure du salut et le lieu de tes sacrements. Qu'on y entende proclamer l'Évangile de la paix. Qu'on y célèbre tes mystères.
et que tes fidèles, fortifiés par la parole de vie et guidés par ta grâce dans leur marche en ce monde, parviennent à la Jérusalem éternelle, où tu rassembleras, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés pour nos frères et sœurs de faim, dont les obsèques n'ont pas pu avoir lieu ici au cours de l'année à cause des travaux. Et c'est à Cardon que nous avons accompagné dans la prière. Pierre Barrault, Paul Dubourg, maire honoraire et maire de Villeneuve de Riance de 75 à 95, et Jean Raymond Sokowski. Nous te prions, ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
corps du Christ. Thank you.
Marie-Claire. Merci. Monseigneur, à l'occasion de la bénédiction de cette église après restauration, une bienfaitrice, Marie-Claire Laplace, offre cette icône pour qu'elle reste à jamais dans cette église, signe de la bienveillance de Marie, notre mère. C'est une icône qui montre Marie silencieuse, priante, avec des inscriptions en grec, Mère de Dieu. Alors, nous allons le présenter à Monseigneur pour qu'il prononce la bénédiction sur cette image. Frères et sœurs, nous avons la joie de bénir cette image de la Vierge Marie. Je crois comprendre que nous pouvons l'appeler sous le titre de Notre-Dame de la prière. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Marie est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église épouse du Christ trouve le modèle de sa mission. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles qui se rassembleront autour de cette image de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour le peuple des rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, permettez-moi de vous remercier de tout cœur, de remercier, de dire merci au nom de la communauté et à notre Excellence, Monseigneur, pour votre disponibilité, votre joie de nous rejoindre ici pour la bénédiction de cette Église. Je remercie mes frères Robert et Aurélien, qui représentent le Père Moïse absent. Je remercie le Père Patrice, jésuite, qui nous a rejoints. Merci à Gaël, que je ne vois pas d'ici, à Fabienne et à la chorale. Merci à notre instrumentiste, le nom c'est Daniel, pour ta présence et tes belles notes. Voilà, je remercie monsieur le maire, monsieur le président de la CDC, tous les maires et tous les élus dans cette église. Et vous tous, chers amis, frères et sœurs de notre grande paroisse de Cadillac-Targon, je suis profondément touché par votre diligence et par votre amour pour cette paroisse. Je remercie les artisans, toutes les sociétés qui sont intervenues et vous tous, habitants de Villeneuve-de-Riance. Je vous souhaite une belle fête et merci pour tout. Voilà. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, par notre communion à ces sacrements, fais grandir dans nos esprits la lumière de ta vérité, que nous puissions t'adorer dans ce temple saint jour après jour, et partager en ta présence la gloire de tous les saints, par le Christ notre Seigneur. Amen.
remerciements, mais je me joins à celle de votre curé, mais à vos autres aussi, monsieur le maire, que vous avez fait, vous avez donné en début de cette messe. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous ont aidés à mieux prier par le chant ou par la musique, à celles et ceux qui ont décoré cette église. Et encore une fois, un grand merci à vous tous pour la restauration de cette église. Puissiez-vous la faire vivre comme l'a dit cette prière finale, jour après jour, en nous venant prier, en priant les uns pour les autres, en priant pour notre diocèse, en priant pour notre monde. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, vous a réuni aujourd'hui pour la bénédiction de cette maison. Qu'il vous comble la bénédiction du ciel. Amen. Qu'il vous fasse devenir son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Lui qui veut rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés. Amen. Vous qui avez eu la joie d'être purifié, puissiez-vous accueillir Dieu en vous-même et posséder en héritage le bonheur éternel avec tous les saints. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reporter indépendant à la Provision Boisard. Voilà, j'ai assisté à cette messe que vous avez, on peut dire, présidée. Ça fait souvent vous arrivez à inaugurer des églises comme cela. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis évêque et depuis que je suis à Bordeaux. Depuis 9 ans, j'ai déjà fait, c'est la quatrième. Enfin, il y en avait une en plus où on a consacré l'hôtel. Mais c'est la quatrième église que l'on bénit à nouveau après travaux. Plus l'église de Petit Piquet où l'on avait aussi consacré l'hôtel. C'est une très belle célébration. Mais toutes ces célébrations que vous faites, il y a une recrudescence du christianisme en France pour que ça se multiplie tout ça. Alors je ne sais pas si c'est une recrudescence, en tout cas il y a des signes assez impressionnants parce que on le voit par exemple au nombre de baptêmes Pâques. Dans notre diocèse, c'était 182 adultes, plus de 200 adolescents, rien que dans la nuit de Pâques. Et dans la France entière, ça faisait plus de 12 000 personnes. C'est-à-dire c'est deux fois plus qu'il y a deux ans. Et à la Pentecôte, on va voir la même chose avec la confirmation des adultes. Ils seront plus de 300, on sera obligé de le faire dans deux lieux différents, tellement ils sont nombreux. C'est pareil pour les pèlerinages à Lourdes, voilà, qui y a eu 30% de plus ce mois-ci à Lourdes que l'année dernière. Et à chaque fois, en fait, on est très surpris parce que l'action, enfin pour nous, elle vient vraiment de Dieu directement. La manière dont tous ces gens reviennent, retournent vers l'Église, elle ne dépend pas franchement de nos grandes activités. Et nous y voyons vraiment l'action directe du Seigneur, c'est assez surprenant. Alors j'espère que ce sera la même chose pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Tant que je connais votre temps qui est très précieux, je ne veux pas en abuser. Dites-moi, il y a quand même, on le constate, par jour, on dit qu'il y a deux églises qui sont saccagées annuellement par jour en France. D'abord, ces statistiques qui ont été soi-disant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une question de religion, une question. Certaines personnes arrivent à dire qu'il y a quand même, bon, sans le nommer, une religion qui arrive en France à s'imposer par rapport au christianisme. Je ne veux pas vous dire que c'est l'islam, bien sûr, vous le comprenez. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là? Alors, de fait, il y a de nombreuses églises ou cimetières ou monuments religieux chrétiens qui sont profanés chaque jour. J'avais les chiffres à un moment, je crois qu'on est à plus de 250 profanations d'églises par an en France, ce qui est considérable. Alors, elles sont souvent dues à des personnes pas très équilibrées, parfois à des problèmes avec des SDF ou avec des jeunes qui viennent s'amuser. Quelquefois, ce sont des actes réellement anti-chrétiens. Ça montre certainement... Vous savez, dès que la foi augmente dans un pays, je pense que le malin, le démon, n'est jamais très content. Donc, il en rajoute. Mais vous mettez ça, pardonnez-moi de vous couper, sur le terme du malin, sur le compte du malin. Moi, j'y vois peut-être, enfin, nous y voyons peut-être certaines personnes, je vais dire, y voient peut-être l'arrivée d'une religion destructrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense pas, je crois pas qu'il y a dans les profanations d'église, je pense pas que c'est dû à des personnes d'autres confessions. En général, non, parce qu'en plus, en général, ces personnes respectent plutôt les lieux religieux. Après, puisque vous parliez de l'islam, en fait, le fait que l'islam apparaisse plus visible nous pose à nous, chrétiens, plusieurs questions. C'est-à-dire comment nous sommes réellement chrétiens et que nous osons affirmer notre foi. Ce qui est très intéressant dans l'islam, c'est que, de façon relativement commune, un musulman peut accepter que quelqu'un d'autre ait une autre religion. Ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'il ne la professe pas. Or, nous sommes souvent, nous, chrétiens, comme si nous avions honte d'être chrétiens. Si vous avez déjà vu le sketch de Gad Elmaleh là-dessus, il est remarquable. Hein. Voilà, pourquoi vous avez peur d'être chrétien? Nous avons peur de nous affirmer chrétiens. Si nous avons des craintes par rapport à toute autre religion qui s'installerait dans notre pays, la vraie solution, c'est d'être encore plus chrétien. Et il faudrait s'adresser sur le plan national, ça, monseigneur. Chaque évêque le fait. Il y a de multiples déclarations. Je l'ai fait encore ce matin dans mon homélie. On passe notre temps à dire aux fidèles, mais soyez chrétiens et dites-le et annoncez-le, annoncez le Christ. C'est d'ailleurs toute la transformation pastorale qui est en train de faire notre diocèse, la transformation missionnaire, et c'est vrai partout en France. Et on le voit en particulier avec ce nombre de catéchumènes, de nouveaux baptisés, de nouveaux confirmés, adultes qui arrivent. Donc voilà, le Christ, lui, continue à avancer. Ça m'amène à la dernière question, excusez-moi, mais dites-moi, est-ce que franchement, on peut parler d'un renversement du catholicisme et de l'islam qui va venir dans les 20 années qui vont suivre? Est-ce que la France va, à votre avis, devenir islamique plutôt que, évidemment, chrétienne depuis Clovis, on peut dire? Je ne le crois pas. Enfin, j'ai pas de boule de cristal. Donc j'ai un petit peu de mal à faire de la prophétie, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que le Christ est là. Je ne le crois pas parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un réveil quand même. C'est vrai qu'il n'y a plus maintenant qu'il y a moins de 5% de Français qui sont pratiquants catholiques. Mais je pense que petit à petit, les choses reviendront. Vous êtes optimiste? Je ne suis pas optimiste. Je suis plein d'espérance. Pas tout à fait pareil. L'optimisme est à... C'est à peu près pareil. Est un état d'esprit à vue humaine. L'espérance, elle vient de Dieu. Et elle a une vision qui est plus grande que l'horizon de notre terre. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire de Bordeaux, n'est-ce pas? Voilà. Et je vous remercie infiniment, Monseigneur, de nous avoir consacré quelques minutes. Ça nous a fait bien plaisir. Je vous remercie encore. Au revoir. Merci.
Bonjour cher monsieur, bonjour. Vous êtes je crois président de la CDC, de la communauté économique. Voilà. Alors vous êtes ici pour l'inauguration des restaurations, de la restauration de cette église. Ça vous arrive souvent de restaurer comme ça des églises. Est-ce que votre présence ici justifie le fait que la communauté des communes a participé à ces restaurations? Alors, la communauté des communes ne participe pas au sens financier du terme, mais ma présence a pour signification que je trouve qu'il est important que les petites communes qui composent notre communauté de communes aient le souci de préserver leur patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui nous relie à notre histoire. Et l'histoire de ce territoire, elle est riche, elle est diverse, et les églises en font partie. Et donc je trouve que c'est important, ça, je suis très heureux d'être auprès du maire de Villeneuve ce matin, parce que je voulais simplement par ma présence l'encourager, lui dire tout le bien que je pense de cette opération, parce qu'on a en plus une restauration qui est particulièrement réussie. Voilà, particulièrement réussie, coûteuse, évidemment, bien sûr, mais on peut dire quand même que c'est une grande partie grâce à vous. Alors, grâce à moi, très modestement... C'est pas le mur. Excusez-moi, nous avons des parasites là actuellement, voilà. Oh pardon. Oui, alors, je vous posais la question, savoir, vous êtes en grande... Enfin, communauté et commune, donc on est en grande partie à l'origine de ces restaurations. Vous en avez eu d'autres églises comme ça? C'est pour la commune qui est à la... C'est la commune. La communauté de communes n'est pas intervenue financièrement. Nous n'avons pas, dans notre fonctionnement, de subvention aux communes. Par contre, lorsque je peux accompagner un maire pour l'aider à monter un dossier de subvention ou l'aider à le défendre auprès de la préfecture, je le fais bien volontiers. Là, dans le cas d'espèce, c'est vraiment le maire qui s'est débrouillé tout seul comme un chef, et il sait très bien faire. Et voilà, donc il a eu une subvention de l'État, et c'est très bien. C'est bien que l'État accompagne les communes qui ont le souci de restaurer et de préserver leur patrimoine. Et c'est ce qui se fait ici. Et j'ai voulu simplement, par ma présence, exprimer mes encouragements et mon approbation sur cette belle initiative. Nous avons noté ça. Dernière question, est-ce que la communauté des communes s'intéresse quand même à d'autres églises également, ou bien c'est exceptionnellement un peu assez? C'est parce que l'occasion s'est présentée que je me suis rendu ici à Villeneuve. Sinon, la communauté de communes, dans ses compétences, une communauté de communes, elle a des compétences strictement définies par la loi. Voilà. Nous n'avons pas dans nos compétences la restauration du patrimoine des communes. C'est une compétence des communes. Voilà. Donc, nous n'intervenons pas. Mais en tout cas, les élus de la communauté de communes sont là pour exprimer leur solidarité, leur soutien et leur amitié auprès du maire. Merci encore d'avoir consacré ces quelques minutes à la production Boisard pour nous donner tous ces renseignements. Je vous remercie. Bonne journée, cher ami. Monsieur l'abbé, bonjour. Et c'est vous donc que nous avons vu à cette cérémonie. C'est vous maintenant qui vous occupez de l'église de Villeneuve-de-Riens. Voilà, je suis nommé depuis 2021 comme curé des deux secteurs pastoraux de Cadillac et de Targon. Et depuis novembre, ces deux secteurs ont été réunis et c'est devenu une grande paroisse, unique paroisse, Cadillac-Targon. Comme d'ailleurs tous les prêtres et curés de la région, vous avez plusieurs ministères dans ces églises. Vous êtes nombreux. Beaucoup de missions. Beaucoup de missions. Donc, ces communes, j'ai près de 34 communes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et la première des choses que vous allez faire ici, on peut le savoir? Mais comme c'est une église qui ne reçoit pas la messe le week-end, pour nous, le projet est de valoriser toutes ces églises des communes. Et donc, une équipe sera mise en place pour ouvrir chaque week-end ou chaque après-midi selon leur disponibilité. Et au niveau de mon équipe pastorale, on va concevoir des activités pour pouvoir animer ici la catéchèse des enfants, des visites ciblées, pourquoi pas d'autres messes, quoi. Voilà. Venez, on le voit, tout le monde d'un pays africain, et on peut savoir lequel? Ah, je viens du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. En Kofan, il y a la République du Congo qui est le nôtre, capitale Brazzaville, tout petit pays en Afrique centrale, et la République démocratique du Congo qui est plus grand, dans la capitale et Kinshasa. Voilà, donc on partage la frontière et c'est la même culture, quoi. Voilà. Et alors, vous avez, si j'ose m'exprimer ainsi, été parachuté ici, comment? Parachuté, oui. J'ai été parachuté d'abord en Dordogne, voilà, en 2011. Et après 4 années de ministère, je suis venu dans l'archidiocèse de Bordeaux. Je suis resté 6 ans à Saint-Loubès,
très très belles années. Et maintenant, je suis à Cadillac. Voilà. Pour longtemps maintenant, vous êtes en France? 3 ans encore, parce que j'ai été nommé pour 6 ans. Et je suis à ma 3e année. Et vous retournerez dans votre pays après? Voilà, ça dépend du dialogue entre les deux évêques. En fait, je suis là par convention, par accord entre l'archevêque de Wando et l'archevêque de Bordeaux. Naturellement, je serai consulté et on pourra en discuter, mais c'est les deux évêques qui vont exprimer leur point de vue par rapport à ma disponibilité, par rapport à la mission qu'ils me donneront. Écoutez, chapeau pour le résultat et bon encouragement, je dois vous souhaiter. Et merci pour ces quelques minutes que vous avez accordées à la production Beau Hasard. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette activité, merci de votre présence. Et voilà, c'est la joie communautaire, je crois que tout le monde a été très heureux de participer à cette cérémonie. Je remercie le conseil municipal et je remercie la communauté de Villeneuve-de-Riez. Merci. Père, au revoir. Monsieur le maire, bonjour. Alors, Jean-Marc Subervie, vous êtes ici à cette inauguration, on peut dire cette inauguration de restauration qui est absolument fabuleuse. C'est la mairie qui est en partie donc responsable de tout ça. Mais oui, disons que l'église est quand même un monument quand même municipal, hein. C'est le patrimoine de la commune. Donc il est normal qu'on soit là pour l'entretenir. C'est pas la peine d'avoir des églises si on laisse partir en décrépitude, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup d'endroits. Donc il y a eu plusieurs étapes, comme ça a été expliqué. Au début des années 90, il y a eu la réfection du clocher avec changement de beaucoup de pierres, électrification de la cloche. Après, en 95-96, on a refait la toiture, le plafond de l'église. On avait peint à l'époque le chœur en jaune, avec la rénovation des peintures des autels. Et puis le cœur s'abîmait, ça peut s'appeler, ça faisait quand même. Et on a décidé. Sacristie aussi d'ailleurs. La sacristie aussi, la sacristie n'en parlons pas, c'était quand même très abîmé. Et on s'est dit pourquoi pas en pierre apparente. Donc avec le maçon, on a essayé de voir si c'était dessous des moellons. C'était le cas. Comme dans la sacristie, on a dit allez, on fonce. Et on retape comme ça un moellon apparent. Et je crois que le résultat est positif, plus que positif. Alors nous, Production Beau Hasard, nous avons eu la satisfaction de tourner des films ici, grâce à vous, grâce à la restauration de cette église. Ça vous a donné des suites, ce film? Vous avez eu des échos? Des échos pour ceux qui l'ont vu, là oui, une scène a été tournée dans l'église. D'ailleurs, je crois que j'ai vu avec Roland, vous avez encore un projet là, dans pas longtemps, de refaire une scène dans l'église. Et je pense que Roland a déjà dû en parler à l'abbé Justin, qui lui ne trouvera pas d'objection à vous permettre de revenir dans le lieu. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, chapeau pour cette restauration vraiment réussie.